Tu en es où toi alors? T'as battu Kera Lanzer? Oui. Ils affrontent le deuxième tour match. Donc tech. Ouais, ok. Bon, merci. Merci à ces canards, hein, qui m'ont envoyé en dehors. Un bon gars. Bonsoir, mais tranquillement. Sur Battlefield, comme d'habitude. Parce que Super Smash Bros. Melee, quoi. Aucune originalité, on commence Battlefield, voilà. Simplement le stage depuis si long. De loin. Moi je pense que ça fait 3-0 pour le jeu. J'aurais envie de dire ça aussi, mais j'ai tellement envie de voir le coffre surprendre et faire des choses. Il faut nous offrir un beau set au moins déjà, parce que c'est un stomp 3-0. Il y a des stomps 3-0 et des 3-0 serrés. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'imagine pas un boost top en tout cas. Non, je pense que Neko est un de ceux qui a beaucoup de step-up dans le pays dernièrement. Vous trouvez des choses, petit Neko. Et dans cette période de Super Smash Bros. Melee. J'y crois. Toi, tu crois pas du tout. Toi, c'est 3-0. Toi. Franchement, j'ai joué contre Neko, j'ai joué contre Zara, j'ai pas fait. Ah mais déjà est un morceau, hein, c'est normal. Après, le problème c'est qu'on sait jamais parce que ça change beaucoup en fonction de l'adversaire, quoi, le match-up. C'est vrai, c'est très vrai. Il y a des match-up tant où Josh pourrait dire qu'il a du mal. Ça j'imagine bien ce qu'il va faire, il va s'accrocher, il va attendre que Chico il va lui mettre un énorme coup. Je pense que oui, en effet, ça peut être compliqué pour lui. Au revoir. Moi je prends en écho. Bien représenté dans la France et Paris. Le premier qui va essayer de vaincre l'envahisseur suisse, descendu des Alpes pour nous montrer comment on joue à Super Smash Bros. Melee. Allez Neko, montre-nous ce que tu peux faire. Ah, ils n'avaient pas banné terrain avant. Ils chauffent sur un terrain sur lequel ils vont pas jouer. Après, pas de film. C'est bien, hein, c'est mieux que se chauffer sur des styles, quoi. Mais en effet, ils partent quand même, et bien, sur Battlefield. Bon. Donc au final. C'est parti, une aiguille, ça va. Oh, un départ. Oh mon dieu, là, Neko gagne. Bon alors, est-ce que déjà, ton interaction, il t'a pas fait pleurer le bec là? Oh là là. Ah, il connaît les coups à faire quand il te fait taper. Oh, c'est bon, cette fois, il a vraiment pris la distance qu'il fallait pour éviter. Luigi, c'était une très belle comédie, par contre, la belle. Oh là là, avant, je suis coupé un peu trop là, c'est un peu dingue. Très belle lecture, hein. J'arrive très bien le centre. Et là, les Edgeguards, ça risque d'être. Je pense que. Les Edgeguards n'ont risque pas d'en voir beaucoup de ratés. Hein. Oh là là. Le bon shield de Neko, mais ça suffira pas, là, il est vraiment prêcheur au bord. Oh là là, qu'est-ce que c'était que ce mouvement? Neko casé, s'il vous plaît. C'est tellement horrible. Oh! Il se fait manger. C'est le retour de Neko qui casse. Ouais, il a essayé d'en mettre une deuxième, un debuff sur le B. Très belle réaction. Il a vraiment sauté quasiment instantanément après avoir pris ce B. Le B de Luigi qui ne stun qu'une frame, qui n'inflige même pas de knockback. Faut juste pas se faire surprendre et c'est bon. En fait. Ça a pas trop tourné, non? Oui, exactement. T'es dans quelle situation il faut prendre? Bon, bah, s'il te frappe, tu sais, dans ton dos, quoi. Ah oui! Comme tous les attaques du jeu, tu vas te retourner pour faire face à ce qui t'a frappé et. Okay. La seule chose qui ça peut faire un peu de peur. J'ai l'impression de voir comment il arrive à bloquer son adversaire. Très bonne idée là pour garder. J'arrive bien à la bonne hauteur pour pouvoir descendre et bien figer ce forward vert. C'est très bien fait. Malheureusement, les middle de la top platform, j'arrive commence à trop les avoir vus et ils ne laissent pas vraiment faire. Il a donné une tête de retard. Hein. Une interaction au début du match, il a suffi à comprendre que t'aimais bien faire ça. Neko qui les trouve, Neko qui aime bien cette top platform. C'est très safe pour commencer une approche. Mais là, Jared Dean, encore une fois, qui s'interpose, qui bon, tu n'atterris pas au même endroit que d'habitude pour faire des middle. Pour la centième fois, c'est nous. Oh là là. Oh, ah, bien. Il a trop anticipé. Très très belle patience. Oh, l'erreur. Ah, le mec est trop rapide pour son propre bien. Ça brise toujours le cœur quand les gens sont trop rapides pour leur propre bien. Mais c'est ça le jeu aussi. Hein. C'est pas juste être rapide, c'est là au bon moment. Oh, super.
il la capte. Qu'est-ce qui se passe? C'est possible de faire ça? Pernik a probablement un gros coup de pied dans sa trouille. Une des meilleures récoltes du monde avec Luigi, c'est n'importe quoi. J'avoue. En vrai, le personnage, je me dirais vraiment pas qu'il est mauvais recovery quand il est stupide. Tellement incroyable. Toujours est-il, je pense que le Oh là là, le coup de pied, c'est fini. Oh non! Non, le seul espoir fait qu'il se fasse brûler. Oh non, les rires fatales. Bon, bah. Allez, un miracle. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire comme miracle. Bah, là, déjà un grave. Voilà. Et derrière, il suffit de. Bon. Quoi? Il peut s'échapper de ce coup. C'est même pas trop, il était trop. Même en NPC. Le corner, là. Il faut manger le gif. On laisse pas avancer. Il va falloir faire un bon combo sur cette sec, sinon, c'est ce qu'on Ouais. Il va falloir surtout laisser l'occasion à Jia de répondre au combo parce que ça fait très mal. 69%, est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est vrai. C'est Nico, donc ça ne fait rien. Pas du camion, pas ça. Oh là là là, il reste plus de points dans la foule. Oh mon dieu. On va faire les couvertures là. Ils sont un petit peu trop pour Nico, ça va lui coûter la. Pour le moment, pas tant de surprise. Ces dernières stocks. Quand même. Nico qui a montré qu'il avait des moments, mais ouais, Jia qui est beaucoup trop constant quoi. Il est là toute la game, nous. Alors quoi, c'est pas juste avoir des phases que tu dis, il faut être solide tout le temps. Et je pense que c'est joué quand même à un moment, le momentum il est vraiment parti pour Jia quand il a raté une Edgeguard. Enfin, Nico a raté une Edgeguard et qui était crucial, je trouve. Sinon, ça se tenait jusque là. Je pense que Nico peut prendre une game. Je pense qu'il peut prendre une game s'il fait un bon démarrage, surtout s'il arrive en fait à prendre la première phase. Quoi, en fait. Sinon, on a dit, s'il doit aller tout le temps derrière, c'est à peu près sûr que c'est Jia qui va. Oh là là! Oh là là! Tu manges juste un petit peu trop dans ton combo, ton overextend et. Oh oh il arrive à faire des fantômes, même sans bouger! Et Luigi va pouvoir mettre des nerfs dans ton combo. Je vais voir un dôme à venir dodge, mais au final. Il l'a voulu bien, mais il l'a Il a cru que Randall était aussi rapide que lui. Mais non. Randall ne fait pas de exécuter le matin. Donc il n'accélérera jamais. Oh bon, vraiment, ça démarre bien. Il continue sur cette lancée. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il fait deux esquives et il a plus le temps de bouger. Ah, si bien, c'est saut. Il a trop vu ses sur top fair là. J'aurais dit, il va directement pouvoir ouvrir des sauts quoi. Il savonne, c'est lui qui fait. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il contre avec un petit coup. Bon, après, on est déjà sur la winner semi d'ailleurs. C'est quand même un match d'une bonne importance, ça. Ah, ouais, reverse, évidemment, il rate pas ça. Genre. Même si ça avait pas été reverse, il devait être gardé de l'autre côté, mais. Ouais, mais ça va pas tuer, je pense. Ouais, tout à fait. Il aurait dû en rater un peu. Joli, ça. Oula, oui. Mais tu vois, même là, il c'est si dur. C'est si dur de bien jouer, contrairement au G. Enfin, surtout, quand il est en dehors, il faut avoir un peu de parce que sinon, ça. Mais quand tu vois, il y a un pourcentage où, quand même, il peut trouver le kill avec une danse front. Je pense que tout à l'heure, il y a un pourcentage où le G peut finir par s'échapper. Ouais, je pense qu'il faut juste pas qu'il se mute quoi. Oh, le nuage qui vient de l'aider! Clairement, qui aide à brûler déjà. Oh, il faire sans plus quoi derrière. Mais dans cette situation terrible, les trouvées dans la mer sur la montre. C'est à vous que Nico fait son style comme ça quand il est mort. C'est assez drôle. Et lui, car nous pouvons voir les inputs en live du jour grâce à l'efficacité de votre stream préféré. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou au moins à lâcher un petit follow à la chaîne. Car de nombreux événements lyonnais seront streamés sur cette chaîne. À savoir l'arc MLE, peut-être. Enfin. Là, il peut la prendre s'il arrive à faire un truc bien. Bon, tout de suite. Oui, un bon grave là. Belle patience en tout cas, mais j'arrive sur le wave là, on a l'atterrissage qui va complètement sortir de la portée. Neko et belle spot dodge là. Neko qui arrive pas à trouver son grave, c'est bien joué. Bon. J'arrive complètement en contrôle. Tu vas venir prendre cette stock. Aïe. C'est vrai. Moi je suis surpris. Pour moi, Neko, la fois que je l'ai vu, il aurait pu faire quelque chose. Non ouais. Sûrement, tu connais Neko, t'es pas surpris, mais pour moi, Jack, ce soit aussi serré, je suis impressionné. Pas beaucoup de gens en France qui jouent un match aussi serré contre Jaredin. C'est beau. Donc déjà, c'est un peu le boss. Ouais, Nico, c'est ce que je disais, hein. Tant qu'il est derrière, c'est chaud. À un moment donné, il faut vraiment qu'il arrive à passer devant. Ouais. Clairement, c'est un joueur d'exception qui a poussé son personnage très loin. Un peu le seul représentant qu'il aille de ce personnage, j'ai envie de dire, à son niveau. Est-ce qu'il y a des bons Luigi en Europe? Genre vraiment le top 10 européen à niveau, ce genre de niveau. À part lui, je crois pas. Hein. Pour le monde.
Mais il n'y avait pas d'autre. Si, il y avait un autre Ujiro. Bientôt Madness. Bientôt Madness. Madness, quand même. Madness qui prend des. Une game à comme ça, quoi. Qui que Stardew est pas arrivé là. Ah ouais, ça là par démarre contre, pas tech chase, ultra là. Bien. Belle, belle tech chase. C'est pas le meilleur départ. C'est ça, des bons bookies. Voilà, putain, c'est par des blasts. La DI qu'il faut faire, c'est une du métier. Ça me fume les DI ici sur les slip-offs sur les dance throw comme ça là. Notamment les studios qui fait ça tout le temps. Oh les. Oula, il glisse, il glisse. Oh là là, quel tricheur! Il faut seulement se laisser un fer pour ne pas se faire toucher, ne serait-ce que très vous c'est le même pas. Il peut, je pense qu'il faut taper la tête de Luigi plus que le bas. On a même encore deux soucis. Bon, il est encore en retard. Bien, un Luigi mauvais, tu viens juste en dessous de lui, va faire un nerf, même pas dans le. Mais déjà, Riddin. Est-ce que tu peux vraiment provoquer ses nerfs? Mais qu'est-ce que c'est? Quel est cette rue? Il va survivre à ça. Et. Oh non! Déjà ne lui laissera pas l'occasion de faire sur Randall. Déjà impérial, hein, vraiment. Oh, oh mon dieu! Le nuage. Le niveau de jeu est haut, mais Jaridin reste largement au-dessus, j'ai envie de dire, dans ce match. C'est impressionnant. Le slip est aligné, bien évidemment. Hein. Le gars vient ledge cancel et. Nettoyer, là, ça passait d'une recovery à il te tue. C'est la toilette du Nico. Hein. Non, très très sale ce match. Nico a peut-être un petit peu. Perdu espoir. Ou bien Jaridin est trop solide et a accompli le téléchargement. C'est maintenant trop tard pour gagner et faire quoi que ce soit. En tout cas là ça part sur un 4 stock. Bah je crois que c'était le garde terminé. Oh très, oh très belle décision Nego. Nego qui a sûrement reconnu les 100% de Jaridin et qui savait qu'il aurait le temps de partir sur cette option. Nego qui va vite, ça lui suffit à trouver un back air. Faut éviter ce 4 stock à tout prix. Bien. Bien. Bien, un 4 stock, c'est un message. Okay, okay. Parfait. Donc, pour ça, et une deuxième. Cela dit. Une ça, deuxième. Ouais, une deuxième. Même ça, ça semble infaisable pour Nego. Alors, gagner le match. On lui souhaite bien du courage. Là, il est trop grave et il va peut-être finir à patience, tomber en se regardant l'un l'autre comme ça. Super Smash Bros. Melee. Oh. Oh. Oh, l'envers. Oh là là. Comment il frappe reverse? Qui peut mettre ça en vrai? C'est absurde. C'est bien joué. Hein. Bon. C'est pas de surprise. Bon. Mais on aurait aimé. Le pronostic était bon. Le pronostic était excellent. C'est ce que j'avais dit. Game, il était effectué. Shit happen, hein. Shit happen, on va dire. Mais Jaridin est trop fort. Jaridin est trop fort.